Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur le plateau du Cosplay Millionnaire. Je suis ravi de vous retrouver pour cette sixième session. On approche de la fin de la saison. Il en restera encore une session de tournage au mois de mai. Et les finalistes sont de plus en plus nombreux. Donc le combat va être rude. Et on attend cette finale avec impatience qui se déroulera au mois de juin. Encore une fois, vous pouvez constater que je ne suis pas seul sur ce plateau. Je ne sais pas ce qui va encore nous sortir aujourd'hui. Mais je crois encore une fois le pire. Et on va dire bonjour à Itakomesh, mesdames et messieurs. Alors, un, je t'emmerde. Et deux, je fais mon job, ok ? Alors moi, la question que je posais surtout d'entrée de jeu, c'est est-ce que t'as pris ta douche ? Oui, j'essaye ça. Très bien, voilà. Oui, parce que ça, vous allez entendre parler très souvent de cette histoire-là. Ouais. On vous expliquera merci à ces peut-être gens, un jour ces le pourquoi du comment. Voilà, on ne sait pas. Donc, comment va-t-il ? Bah écoute, ça allait bien et puis t'as parlé. Oui, bah c'est comme toi, à chaque fois que tu ouvres là, je m'en sais pas. Moi, je ne dis que des vérités. À un moment donné, va falloir ramener Def, je pense. Bah, vas-y. Bah déjà, faut déjà savoir où il est et ce que t'en as fait. J'en ai rien fait, moi. T'es sûr de ça ? La dernière fois, je l'ai juste ressuscité, il était vivant. Bon, on va mener notre enquête, ça me paraît un peu bizarre tout ça. Ah, bah ouais, mais si tu gères pas ton équipe. Je fais ce que je peux. C'est pas suffisant. Bon. D'ailleurs, à propos de gérer l'équipe, alors il n'a plus de caméra, donc on ne pourra pas le voir, mais on va quand même saluer, mesdames et messieurs, Media Production qui est encore à la réalisation de cette émission. Comédia-pop. Ah, je viens de voir une main passer là. Ouais, il fait une petite main là. Coucou, on voit sa main. Bon, c'est bon, on connaît ta tête depuis la dernière session déjà maintenant. Hein, voilà. Eh ben écoutez, on va sans plus attendre commencer par découvrir notre premier cosplayer ou notre première cosplayeuse, on ne sait pas encore. C'est la surprise et c'est à toi, Itakoma, de faire son portrait maintenant. Allez, c'est parti. Carlos d'Enfer, en couple avec Jen, il nous est originaire de l'île de l'oubli où il est étudiant. Ce qu'il aime, c'est le sport, le chocolat, les chiens et la technologie. Il paraît aussi que c'est un grand timide. Son rêve, se marier avec Jen. Mesdames et messieurs, Carlos d'Enfer. Carlos, bonjour. Enchanté. Enchanté. Bienvenue sur le plateau du Cosplay Millionnaire. Merci. Le voyage a-t-il été bon ? Très mauvais. Ah, que s'est-il passé ? J'ai foncé dans l'arbre. Dans un arbre ? Avec la limousine de Ben. Ah bah ça, surtout qu'il y a une limousine, c'est pas forcément le mieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vous qui avez conduit ? Oui, c'est moi. Un peu loin pour ça, pour conduire. Mais c'est normal j'ai que t'invites des chauffards, toi ? De quoi ? T'invites des chauffards. Alors, on s'occupe pas de la venue sur le plateau. Moi, j'en sais rien, je découvre les gens quand ils sont là, moi. Ouais. Donc, du coup, vous nous venez de l'île de l'oubli. C'est ça, oui. Il paraît que c'est situé à Oradon. À côté. Et du coup, est-ce que c'est loin de chez nous ? Non. Du coup, le voyage rapide. Quand on va trop vite avec la limousine. Avec la limousine. Pour expliquer comment vous avez réussi à obtenir une limousine, parce que c'est pas à la portée de tout le monde quand même. Je suis sûr qu'il a oublié. Hein ? Je suis sûr qu'il a oublié comment ? Non, il vient de me le dire. Non, je l'ai volé à Ben. Ah d'accord, donc en plus c'est un voleur. Non mais on va. Alors, faut savoir que on n'a pas n'importe qui avec nous parce que il s'agit du fils de Cruella d'Enfer. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas envie qu'on parle de ma mère. Alors on n'en parlera pas, c'est sujet tabou apparemment. Mais tu sais qu'héberger des voleurs, on est censé prévenir la police normalement, on est censé le dénoncer. Non mais, ne faites pas attention à lui, parce que là, vous êtes notre invité sur le plateau aujourd'hui. Lui, il a juste à rien dire, en fait. Mais j'ai invité personne, moi, c'est toi qui invite des gens. Mais tu fais... Regarde la caméra, elle me regarde ou pas ? Si ça retransmet, oui, elle vous regarde, ça c'est sûr. J'ai pas envie de la voir. D'accord. Eh bah écoutez, bonjour maman, regardez pas. Voilà, on va faire ça, on va éviter. Voilà. Il est en train de suivre ses cours de bonté, si c'est bien. Parce que du coup, vous êtes étudiant, et vous êtes précisément étudiant en cours de bonté. Ouais, c'est ennuyant. À ce moment-là ? Très. Alors, qu'est-ce qui vous plaît ? Tout. J'aime pas être gentil. Bah, la raison, c'est pas bien d'être gentil. Attention, les enfants, c'est pas bien d'être méchant. On va faire un petit peu le sermon. C'est pas bien d'être méchant. Si, c'est très bien d'être méchant. Alors, va falloir quand même...
avoir un bon argumentaire pour nous expliquer pourquoi, parce que comme il y a des gens qui nous regardent, essayez de les convaincre. De quoi? Pourquoi c'est bon d'être méchant? It's good to be bad. Ah, bah parce qu'il faut bien se venger de ceux qui nous ont détestés. Alors, moi j'ai toujours entendu dire que la vengeance ne mène à rien. Et pourquoi? C'est ce que j'ai entendu dire. Après, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. J'ai rien à dire, moi. Je suis comme ça, je suis né comme ça, c'est tout. C'est sûr que si vous avez été habitué à inculquer comme ça, effectivement, on peut pas changer de nature. Mais bon, peut-être que il y a espoir pour la suite. Je suis un chouïa gentil alors. Un chouïa gentil, voilà. Déjà, il y a une marge de progrès déjà. Il y a une marge de progrès. Alors, donc vos passions, c'est le sport. Ouais, j'adore le sport. Quel sport en particulier? Je joue dans l'équipe des Ignite de Oradon. Alors, oui, mais ça me dit pas, qu'est-ce que c'est comme sport? C'est un peu comme du foot, un peu. Mais c'est un peu violent, très violent. C'est quoi, c'est-à-dire plus précisément, c'est quoi? C'est du foot, plus proche du rugby à ce niveau-là. Voilà, c'est ça, et puis je sers de punching ball surtout. Non. Si. Pourquoi? C'est quoi votre fonction dans l'équipe? En fait, je sais pas trop parce que Ben il m'a viré. Et on est bien ton candidat, il se fait virer de partout, il vole des limousines, il est méchant. Ouais mais attends, s'il fait un mille... Je peux le taper ou pas? Après. Je finis de vous poser des questions et on lui marave la gueule après. Mais moi je pose des questions, c'est tout. Mais tu as déjà dit que t'étais trop incisif dans tes questions. Je suis pas incisif. On dit un truc, moi je le rétorque, c'est tout. Bon, on s'occupera de ton cas après de toute manière. Hein. Oui. Alors... Autre chose que vous aimez beaucoup, et c'est une passion qu'on a en commun, c'est le chocolat. Vous avez du chocolat? Il se peut qu'on en ait, oui. Eh, moi aussi, je veux du chocolat. Il se peut. On verra après. Non mais la bouffe, vas-y, amène la bouffe. Oh, espèce de morphale. Mais il y a du chocolat, moi espèce je crois. On les voit, les Migros, là. C'est Migros, représente. Est-ce que les autres candidats à côté de toi ils aiment ça? Demande-leur. Je sais pas, vous aimez le chocolat les deux là? Apparemment oui. D'accord. Écoute, donc c'est assez universel. Mais c'est vrai que c'est très bon pour la santé. Prenons notre ami Harry Potter par exemple. Quand il va mal, Lupin lui donne du chocolat et ça va mieux. C'est parce qu'il a fait un malaise. Mais ça veut dire que c'est bon pour la santé aussi. Ouais, c'est surtout pour le requinquer. Il paraît que c'est aphrodisiaque aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet, on n'en parlera pas. Alors, dans ça dépend, si tu veux faire des vues, tu peux en parler. Alors, c'est tout public, je te rappelle l'émission, je te l'ai dit à chaque fois. Ah, c'est tout public. C'est pour ça que c'est moins drôle. Attention. Vos autres passions, ce sont les chiens. Alors là, pour le coup, moi je suis plutôt team chat, malheureusement, mais. Ouais, j'aimais pas les chiens au début. Enfin, parce que ma mère déteste ça. Ah, d'accord, donc du coup, par transposition. Il vous saute à la gorge et après il vous... La jugulaire. Alors, ils sont pas tous comme ça. Hein. Parce que, de ce que je sais, vous avez un chien qui s'appelle Camarade. Que j'ai connu grâce à Ben. Le fameux Ben, il revient souvent là. On en parle beaucoup là depuis tout à l'heure. Qui Ben? Bah, c'est le roi d'Oradon quand même. J'explique cela, voilà. C'est le roi d'Oradon. Il a frise complètement lui. Il a bugué là. C'est... Il vient d'où l'huile de l'oubli? Mais c'est un roi. Alors... Il est pas au courant. Ils vont se calmer. Je t'explique. Qu'est-ce qu'il veut là, le mangeur de chocolat? Oradon, c'est un royaume qui a été de gentil des personnages de contes de fées. C'est un royaume qui a été créé par la Belle et la Bête. Et ils ont fusionné tous les autres royaumes. Donc Cendrillon, Aurore et tout seul. Ah, tu veux dire qu'ils ont conquis par la force tous les autres royaumes et qu'ils ont imposé leur loi? C'est pour ça que le nom. Non, ça a été fait d'un commun accord. C'est pour ça que le nom exact, ce sont les États-Unis d'Oradon. Ah, c'est moins fun. Et toi, que court Géo après l'émission? Et j'ai pas envie. Bah, je te. Ça te fera du bien. Oui, c'est une bonne idée. Tu veux Dixit, le méchant de service? Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème ou il est manqué là ou quoi? Non. Oh là, non, ça c'est quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on l'aura un jour sur l'émission. Du calme. Non, excusez-le, il a pas pris ses pilules ce matin et puis il a pas pris sa douche non plus. Mais arrête avec ça, putain, j'ai pris ma douche. Arrête de m'emmerder. Tu remercieras Saïdia pour ça. La déteste. Voilà. Alors, aussi dans vos autres passions, la technologie. Ouais, j'adore ça.
téléphone, d'ordinateur. Ouais, ouais, j'ai mon téléphone sur moi. Je suis sûr qu'il l'a volé. Non, c'est le mien. Le voleur dans son groupe d'amis, d'après mes infos, c'est Jay. Voilà, c'est mon meilleur ami, c'est lui qui vole tout. Il a pas réussi à piquer mon téléphone. C'est quand même le... mon meilleur... J'ai réussi à piquer du gâteau. D'accord. Perspicace. Pour l'instant, on finit avec les questions et on verra après. Parce que parler la bouche pleine, c'est pas terrible. Votre groupe d'amis, vous les aimez beaucoup, hein? Qui? Les amis. Ouais, certains. Qui sont-ils? Jay, Mal, Evie. J'ai mal. Elle était très bien. Écoute, à côté, ils ont l'air de trouver ça très très drôle. Je sais pas, je les vois pas, donc je peux pas te dire. Voilà. Qui sont les enfants respectifs des méchants? Ouais, c'est ça. Alors, Evie, c'est la fille de la méchante reine. Mal, c'est la fille de Maléfique. Jay, c'est le fils de Jafar. Et moi, Carlos, le fils de Cruella. Ça fait une belle réunion, ça. C'est pour dominer le monde, on n'est pas très très loin, là, je pense. Là. Ouais. Votre rêve, c'est vous marier à Jane. Oui, c'est ça. Qui est Jane? Parlons-en. Visiblement, vous êtes en couple avec. Hein. Oui, c'est ça. C'est la fille de la bonne fée. La directrice de Oradon. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, Bibidi-Babidou, tout ça, quoi. Ouais, voilà. Il est consterné, Takuma. Eh, Bibidi-Babidi-Bou, Bouyashaka. Bouyashaka, c'était quoi l'autre truc? Lupalinda, voilà. Lupalinda. Et Pancho Villa. Merci pour les références. Bah écoutez, puisque vous en mourrez d'envie, moi que j'ai fini mes questions, et que visiblement Itakoma t'a l'air safe aujourd'hui, et bah vous pouvez manger votre chocolat maintenant. Avant chocolat, qu'on chocolat la route, ça peut-être chance. C'est vrai? Ah bah. Bien sûr. On peut poser à ce con là. Je veux dire, il est pas si méchant que ça, mais. J'ai le droit du chocolat? Bah visiblement, oui, s'il propose, viens, on va venir à ta rencontre. Ouais! Chocolat! Attends. Oula, je vais peut-être m'écarter. Pourquoi? Ah, du chocolat! Oui, c'est bon! Attends. Espèce de micro! Mais quoi? Laisse-moi manger ça, tranquille! Je vais le dire à l'Ardèche. Mais quoi? Elle va me venir manger mon chocolat! C'est la crème de marron, elle. Pourquoi j'en ai partout? Oh, le piège! Pourquoi j'en ai? Oh, le piège! Pourquoi j'en ai pas partout? Venir, celle-là. Non! On a un Splatoon bis, là. Non! Vous la prépariez depuis longtemps, celle-là, à vous? Non! Ah ouais, ah, je me suis éclaté là. Mais c'est quoi ça? J'en ai partout! Chocolat! Je voulais le manger, je voulais pas en être baigné! Ah bah là, tu l'as mangé, ça c'est sûr! Je vous déteste tout, je déteste tous tes candidats! Je vais plus revenir. Voilà, la gourmandise est un vilain défaut! Voilà! Et je fais comment, moi, et maintenant? Et ne pas accepter des choses de la part d'inconnus! Je fais comment, moi, maintenant? Attends. Parce que depuis que notre cher agent 3 est venu, j'ai installé un système de nettoyage sur le plateau. Hein? Attention, reculez-vous. Attention, voilà la douche. C'est malade, c'est partout, c'est n'importe quoi. Ah bah, hey, au moins t'es propre. Je suis. Tu sais, t'as, comme ça, t'as plus à monter, t'as plus à redescendre. J'ai pris ma douche, c'est ça? Oui, voilà, je vous emmerde. T'as pris ta douche, c'est bon, c'est fait. Toi, je te déteste. Ça fait combien d'émissions que tu me dis ça? Beaucoup trop! Je crois qu'à la fin de la saison, on va faire une compilation des. Je crois que je vais additionner tout ce que tu m'as fait et je vais te faire payer au centuple. Vous voyez comment c'est un sadique le monsieur? J'attends de voir. Bon, moi je retourne là-bas et je te laisse avec ton mec chelou. D'accord. Merci Takuma, à tout à l'heure, voilà. Ah, vous l'avez pas loupé, hein? Mais... Je me suis régalé. Heureusement que j'en ai pas voulu parce que sinon ça aurait été sur moi. Ouais, bah la prochaine fois ce sera toi. On va voir. Eh bah écoutez. On a espéré que ça va vous porter chance et maintenant je vais vous proposer d'aller à la roue. D'accord. Okay. Venez avec moi. Voilà. J'espère que la roue va lui exploser à la tronche. De quoi? J'espère que la roue va lui exploser à la tronche. Non, parce qu'on en a encore besoin de la roue. Donc. Bah, pas moi. Hein? Pas moi, j'en ai pas besoin. Et s'il n'y a pas de roue, il n'y a pas d'émission. Bah oui. Oh, bah, au pire des cas, c'est toi qu'on fera tourner. On mettra des segments sur toi et on fera tourner. Et on lancera des flèches. Mais laisse-moi en paix. On lancera des fléchettes dessus. Putain. Voilà.
Alors, quelles sont les la monnaie utilisée chez vous? Très bien. Alors, ah, il connaît même pas son argent. C'est un voleur qui ne sait pas ce qu'il vole. Mais non, mais ils ont pas d'argent. Ils sont à l'île de l'oubli. Ils ont rien là-bas. On est pauvres. Voilà. Voilà, on n'a pas d'argent nous. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va tourner la roue. Pour notre compétition, on va avoir des points, mais ça sera en même temps converti dans la monnaie de chez vous. Ah d'accord. Donc vous pouvez jusqu'à avoir 1 million de votre monnaie. C'est génial. Voilà, vous êtes riche. Vous êtes passé de rien à très riche. Je pourrais faire une belle maison à ma petite Jane. Des projets, des projets. Eh ben écoutez, on va le savoir tout de suite, c'est la roue qui va le décider. Je vous souhaite bonne chance, elle doit faire 3 tours quand vous voulez. Ok. Alors, les 3 tours, elle va les faire, c'est sûr, de justesse. Donc la maison, vous la voyez comment? Un palace. Carrément. Il faut les domestiques qui vont avec, parce que sinon on a vite fait ce... Ça, ouais. Camarade. Oui. Couleur, une belle niche. Ouais. Est-ce que ça va ressortir? Et ce sera 200 000 points pour vous. Ah, c'est plutôt cool. Écoutez, ah. 200 000 points et 200 000 votre argent aussi. J'ai. Chez, c'est le plus, c'est un des plus petits scores. Chez. Mais c'est pas le plus petit score. Ouais, mais chez. Tu vas te faire défoncer, je pense. Je pense que tu vas te faire défoncer là. Il m'a fait exploser un chocolat à la gueule. Il les mérite ces 200 000. Oui, mais t'as été odieux. J'ai pas été odieux. Donc, dit la vérité. Non, c'est pas la vérité. Non, t'as été odieux comme d'habitude. Vilain garçon. Chut, n'importe quoi. Il va partir en cours de bonté et avec des heures sup en plus. Voilà, des heures sup et aussi un cours de sport aussi. Mais un cours de sport. Laissez-moi. T'as vu ça? Tu seras plus migro comme ça. Je t'emmerde. Écoutez, bon. Bah écoutez, donc du coup, c'est 200 000 points. À partir de maintenant, vous avez une semaine pour faire monter votre capital de points sur YouTube. Et puis après, on en reparlera pour le défi. Qu'on voit dans une semaine et demie techniquement, si j'ai pas de soucis. Parce que là, les émissions, elles ont été un peu chaotiques à sortir sur la dernière session pour ceux qui ont suivi. Donc techniquement, on se retrouve dans une semaine et demie pour le défi. En attendant, je vais vous souhaiter un bon séjour en France, parce que ça m'étonnerait que vous retourniez de l'île de l'oubli pour revenir ici pour dans une semaine et demie. Non, je vais rester ici. Bah, écoutez, je vais vous laisser profiter des petits juste comme ça, petit tour à Disneyland de Paris. Je pense que ça vous dépaysera pas trop. Non, ça va être parfait. Il y aura ma mère. En plus, voilà. Il y aura même Kogenta. C'est exactement ça. C'est possible en plus, surtout le 12 avril. Eh bien écoutez, avant qu'on clôture, Itakoma, je vais te laisser... Eh bien c'est parti. Dans la prochaine presta, l'ambiance va devenir un peu plus sombre. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette émission. Merci Itakoma. Moi je te remercie pas. Je sais, mais et ça me fait plaisir. Merci à Media Production à la réalisation et merci à Carlos. Bah merci à toi. Et on se retrouve dans une semaine et demie. Et nous, on se retrouve dans quelques jours avec le prochain cosplayer. Ciao, bye bye. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour ne rien manquer de nos prochains contenus, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Pour découvrir la prochaine presta, cliquez là. Et pour donner vos impressions, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire juste en dessous. Merci à tous et à très bientôt.